Alors, Madame Stéphanie Rist pour République en marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, on sait votre engagement à mettre la prévention comme première priorité de la politique de santé. Ce PLFSS 2019 traduit cette ambition en augmentant les moyens consacrés à la prévention, notamment en élargissant les compétences des pharmaciens, en luttant contre les addictions liées aux substances psychoactives et en développant les actions de prévention à destination des enfants et des jeunes. À ce sujet, il est prévu d'améliorer le suivi des enfants et adolescents à des âges clés afin de permettre le repérage et la prise en charge précoce, mais aussi d'ancrer les bonnes pratiques en matière de santé. Ainsi, ce PLFSS prévoit de redéployer les 20 examens obligatoires aujourd'hui, tous réalisés avant les 6 ans pour couvrir l'adolescence. Pour ces examens qui sont effectivement indispensables, est-il prévu un suivi et une évaluation afin de s'assurer qu'ils soient réalisés à un âge où il peut exister une perte du suivi ?